tout le monde, j'espère que vous allez bien. On se retrouve comme promis pour le haul action spéciale. J'ai envie de dire vacances, jardin, etc. J'ai un petit peu craqué, j'avoue, mais voilà quoi. Parfois il faut. N'oubliez pas avant de commencer ce haul de liker, de commenter, de s'abonner à ma chaîne pour ne rien louper. Et j'avoue, ça fait toujours plaisir. Alors c'est parti, j'ai acheté des petits nénuphars, ils sont d'ailleurs trop canons. Si je dis pas de bêtises, c'était au prix de 3 € et des bananes. Donc ça va, je trouvais que c'était plutôt acceptable. Je vais vous montrer un petit peu, il n'y a pas de pile, hein. C'est énergie solaire. Alors je vous partagerai mon idée parce que je, voilà, j'ai pas trouvé ce que je voulais encore. Mais je vais vous partager un peu l'idée que je souhaite faire sur la terrasse. Donc vous voyez, vous avez le petit truc. Je vais encore galérer à trouver mes mots, vous allez encore rigoler, comme d'hab. Et vous allez mettre en commentaire, bah en fait je crois que tu voulais dire ça. Oui, oui, effectivement. Donc vous avez en dessous le petit bouton on-off. Et ça se recharge à l'énergie solaire. Donc j'ai acheté celui-ci et celui-ci. Vraiment, bah je les trouve plutôt bien faits. C'est vraiment sympa, je trouve. Et vous voyez un peu ici ce que ça donne un peu. Ensuite, j'ai acheté ceci. Comme ça, je vais pouvoir vous expliquer, on va dire, ce que je veux faire. Parce que voilà, dans l'ancienne vidéo, je vous avais dit, voilà, je vous montrerai totalement. Sauf que je ne trouve pas ce que je veux et ça m'embête un peu. Donc j'ai acheté ceci. Vous savez, c'est à poser dans une jardinière ou quelque chose comme ça. Et hop, bon, je pense que Greg... fera la construction parce que j'ai peur en me connaissant. Je sais pas, il y a ça et ça. Ouais, ça doit être ça. Voilà. Donc vous avez le truc qui est ici. Lala. Enfin bref, hein. Mais moi j'y connais rien. Je l'ai juste pris parce que je trouvais ça super sympa. Et pareil, je prends toujours énergie solaire parce que bah, c'est beaucoup mieux comme ça. Mais ouais. Bon, on verra bien. Donc l'idée était de... Je vais être franche avec vous, je cherche une jardinière. J'avais dans l'esprit de faire un peu un cache, un brise-vue. Mais vous savez, une jardinière longue et de mettre, j'ai vu chez Action qui faisait, ça fait un peu une haie avec du lierre. Donc le mettre dans le fond, mettre de l'eau, mettre ceci avec ceci, vous savez, poser, histoire que ça fasse un peu un esprit, voilà... un peu fontaine, je l'aurais aménagé comme je voulais. Sauf que le prix des jardinières cette année est, comment dire, je n'ai pas les mots. Moi, je me suis dit, oh, allez Céline, tu vas peut-être en trouver une pas trop chère. Non. J'ai regardé donc sur Amazon, effectivement, il y en avait une qui était à 39 €. Mais elle était percée, donc ben ça ne m'intéresse pas, je peux pas mettre de l'eau dans un truc percé. Et après, pour l'instant, je suis pas tombée sur une bonne promo, hein. Après, voilà, j'ai pas encore fait tous les magasins. Je pense que je vais faire BM. Je vais peut-être aller voir à Centre Accor. Mais c'est vrai que la jardinière que je veux est quand même pas donnée. Donc, je vais attendre. Ma foi. On verra. Si je tombe sur un... Je me dis qu'en brocante, il y a peut-être moyen de, voilà, de trouver quelque chose. Donc, je préfère attendre comme ça. Ensuite... J'ai acheté ceci. Alors pour celles qui me suivent sur Insta, j'en ai déjà une sur ma pergola, sauf que une ça fait trop petit. Voilà, elle se perd un peu la pauvre. Donc Greg me dit, la première je l'ai eue chez BM, prends-moi celle à Action qui est moins chère, au moins je la mettrai juste à côté. Et j'étais à Action et je l'appelle, je lui dis oui c'est bien la guirlande qui est à, ça doit être 9 et des bananes. Je dis, je me trompe pas, elle est bien, elle ressemble bien à la nôtre, mais voilà, les motifs ne sont pas les mêmes, mais je te la prends quand même. Alors elle me dit, c'est bon, c'est quasiment la même chose. Je lui dis, bah oui, c'est pareil, je pense, à part le petit quadrillage là sur les lanternes, mais ma foi, c'est pas non plus... Et je rentre et je lui dis, bon bah voilà, je te la donne, tu pourras la mettre. Et là, elle me dit, par contre, j'y ai pas pensé, mais celle qu'on a, c'est couleur blanc, et là, c'est couleur jaune, la lumière. J'ai dit, t'es au fou de moi. J'ai dit, c'est une blague. Alors, elle me dit, ça risque de faire con. Dites-moi, ça va faire con, ça va pas faire con. Parce qu'on en a une qui va faire de la lumière blanche et là, ça va faire de la lumière jaune. J'ai dit, bon, on a compris, il faudra aller à BM. Hein, on a bien compris la chose.
Ensuite, j'ai acheté celle-ci parce que je la trouvais super belle. Je ne sais pas si vous voyez bien. Avec des motifs, pareil, énergie solaire. Je la trouve super belle. Hop. Vous remarquerez quand même que j'ai une petite passion hein, pour les petites lanternes. Parce qu'après, j'ai trouvé ça. Alors ça, j'ai trop hâte. J'aurais peut-être dû les recharger pour vous montrer. C'est dommage. Les petites... Bah pareil, c'est des petites lanternes. Enfin, je les trouve magnifiques. J'aime beaucoup l'esprit flamme. Ce que je vais faire, c'est que je vais les mettre déjà dehors. Et je vous referai à la fin une toute petite vidéo, histoire de vous montrer un peu ce que ça donne à l'extérieur une fois rechargées. Mais voilà, je les ai trouvées super jolies. Et elles étaient à même pas 2 € l'unité. Donc voilà, j'en ai pris 2 forcément. Il en restait 2. Je trouve que c'est vraiment pas cher au niveau de voilà de tout ce qui est extérieur. Alors certes, ils ont peut-être augmenté les prix comme beaucoup d'enseignes, mais pour avoir fait BM avant, je trouve que c'est quand même moins cher, donc ma foi, c'est pas négligeable. Ensuite, pour les vacances, les petites mules pour Greg. Alors il avait déjà les mêmes l'année dernière en noir et gris. Donc j'ai repris les mêmes cette année en marron parce que voilà, il sera peut-être pas content parce que Greg est très très noir. Mais en noir, il n'y avait plus sa taille. Donc ça, elles ont bien augmenté quand même parce qu'elles sont à quasiment 8 € quand même. Hein. Mais bon. Et ensuite, moi j'ai repris celle-ci. Hein. Moi, valeur sûre tout le temps. Hein. J'avais les mêmes l'année dernière en camel. Bon, je les ai encore mais je les mettrai à la maison. Et là, j'ai pris les petites sandales mais en rose poudré. Et elles étaient à 5 € je crois. Celle-ci 5 €. Donc enfin j'aime bien. J'étais bien dedans. J'ai repris du scotch pour vos colis Vinted. Alors ensuite c'est un peu plus pour les enfants. J'ai acheté ceci. Je pense qu'ils vont être mais totalement dingues. Donc là c'est pour Chouchou en version pas de patrouille. Alors ça c'était même pas 4 €. Donc vous avez le masque et le tuba. Pas de patrouille, donc voilà. Je pense qu'il va être, heureux. Je ne sais pas si, je pense qu'il va pas savoir se servir de ça. Hein. Je vais pas lui donner. Hein. C'est 6 ans, hein, les filles. Mais je sais très bien que j'ai pris la même en version Reine des Neiges pour Poupette, qui aime bien. Donc je me dis ça peut être sympa en fait, le fait qu'elle va sous l'eau avec le petit tuba. Mais je me suis dit si Chouchou voit ça et bah, qu'il n'a pas le fameux masque, parce que lui c'est surtout le masque, je pense que ça va être compliqué, donc je garderai ça. Je vais bien lui expliquer que lui, ça m'étonnerait, je pense pas du tout, hein. Il a 4 ans, il va pas savoir gérer, mais il aura au moins le masque pour pouvoir faire comme sa sœur, pardon, parce que je ne sais pas vous, mais moi sincèrement, avoir 2 enfants, alors je vais m'arrêter là hein, parce que 3 je suppose que c'est pire. Quand l'un a, l'autre veut, c'est incroyable. Là, Poupette a eu un nouveau vélo parce que voilà, sa taille a changé. J'ai Chouchou qui me dit, oui, bah, moi aussi je veux un nouveau vélo. Mais toi tu l'as eu l'année dernière ton nouveau vélo. Là, cette année, ton vélo il a la bonne taille. Et ben non, il en débordait pas, non je veux un nouveau vélo, elle a eu un nouveau vélo. Et donc moi c'est toujours, c'est l'équité hein, chez moi. Alors ensuite, vous voyez, j'achète tout en double. La deuxième, elle est où? Je vous la montre en même temps. Je leur ai pris des petites cordes à sauter. Alors pareil, Chouchou ne va pas savoir en faire. Hein. J'en suis persuadée. Hein. Mais si sa sœur a, lui, doit avoir. Donc, ma foi, je l'arrangerai si c'est pas son servir. Enfin, on verra bien ce qu'il fait avec ça. Mais je trouvais ça sympa pour Poupette. Après, ma foi, c'est à partir de 3 ans. Je voudrais bien voir Chouchou faire de la corde à sauter à 4 ans. Je suis pas sûre qu'il va y arriver. Même déjà, Poupette, j'ai un gros doute. Donc bon, on verra bien. Mais c'était vraiment pas cher non plus, hein, comme d'habitude, hein, Action. Ensuite, j'ai pris ça pour Poupette. Donc j'en ai pris 2. Parce que voilà, alors je suis peut-être... c'est moi, hein, mais j'aime bien qu'elle ait la même pince des 2 côtés. Et là, en fait, c'est un jeu de pince. Vous n'avez pas celui qui va avec. Donc ma foi, j'en ai pris 2. Ça fait... bon, voilà, elles sont belles. J'ai hésité avec les autres. Et d'ailleurs, bah, là, en regardant, je me dis j'aurais peut-être dû les prendre aussi. Pas bien, c'est bien. Il y avait en version ananas aussi, c'était assez sympa avec des cactus, mais bon, bon allez, non, ça fera l'affaire. On a dit on arrête les bêtises, dépenses inutiles, non. Alors attention, hein. Là j'arrive avec un objet de fou.
Alors, c'est quoi ceci? Avez-vous une idée? Alors, je l'ai pris parce que c'est pour faire les joints. Et c'est vrai que je trouve, quand on lave une maison, ça nettoie pas forcément bien les joints entre les deux. Et même pour la salle de bain, je trouve ça génial. Donc, je vais tester ça. Et c'est ça, c'est une brosse à joints. Donc, je vais essayer, je vous dirai ce que ça donne. Mais j'ai. Voilà, je me suis dit pourquoi pas? Et ensuite, j'ai trouvé un objet. Alors, sur le coup, même l'hôtesse de caisse me dit: mais c'est quoi votre truc là? Je lui dis: bah écoutez, ça a l'air d'être pas mal. C'est une brosse. Oh, des brosses. Et il y en a une là, il y en a une là, il y en a une ici. Alors, celui-ci, c'est pour. Oui, je sais plus. Si. Vous savez, autour de votre plaque de cuisson et autour aussi de l'évier, par exemple, de cuisine, vous pouvez tac, tac, tac. Et je le fais bien. Tac. Donc voilà à quoi ça sert ceci. Ensuite, bon, ça, forcément, vous frottez ce que vous voulez, hein, voilà. Et ensuite, on a cette partie-là qui fait un peu plus raclette ou hein, ça doit être ça. Hein, j'ai bien compris. C'est à peu près ça. Ils mettent carrelage, chat. Donc peut-être ça ramasse les poils de chat là par terre. Parce qu'il y a un petit dessin avec un petit chat et il ramasse les poils par terre. Enfin, j'ai l'impression. Ah, et je l'ai aussi pris pour les fenêtres. Je trouvais ça pas mal parce que j'ai ma fenêtre de salle de bain. Vous savez, au niveau des joints. Donc je me dis, je pourrais peut-être le passer pour nettoyer parce que. Avec la condensation, ça fait un petit peu noir. Enfin bref, je vous ferai une petite vidéo avec ces deux appareils. Enfin voilà, une petite vidéo ménage. La dernière fois, ça vous a plu. Et comme ça, on pourra faire un petit test avec les produits de chez Action. Ensuite, pareil, si tu fais à l'un, tu fais à l'autre. Toujours. J'ai pris des lunettes. Donc Avenger pour chouchou. J'ai hésité avec la Pat' Patrouille, mais bon, là, j'ai pris. Version Avenger, on verra bien. Je vais lui remettre dans son petit étui. Et pour poupette, j'ai pris un peu été. Enfin, elles sont jolies, elles sont roses avec des petits citrons. Elles sont super jolies. Avec les petits citrons. Alors, les lunettes, on va être cash, hein. Ils en ont, hein. Mais alors, à chaque fois, c'est la galère pour les retrouver. Ils mettent ça dans leur costume, dans leur truc. Là, j'ai dit, elles vont rester dans l'entrée parce que ça m'épuise un peu. À chaque fois, c'est oui, elles sont mes lunettes. Bah, écoute, j'ai envie de te dire. Je ne sais pas, moi. Ensuite, pour les vacances, je leur ai pris des petits stickers. Alors, poupette en version princesse, château, etc. Donc, c'est un lot de 200. Et pour chouchou, j'ai pris en version animaux. Voilà, ça leur passera le temps. On part en vacances, mais il faut bien les occuper. Donc voilà. Ensuite, j'ai acheté ceci pour, bah, pareil, pour partir en vacances à la piscine. Ça peut être sympa. Donc voilà, je me dis. Faut bien bah avoir des petites choses à prendre. J'en ai déjà, hein, je vous rassure, mais bon. Et ça, on avait les mêmes l'année dernière, mais ils étaient abîmés, donc je les ai repris, ils aiment bien. Enfin, chouchou, surtout. Il y a des jours, c'est dur. Vous allez me dire, toi, c'est tous les jours, Céline. Bref. Ensuite, j'ai trouvé. Alors, j'étais trop contente. Alors, c'est pas vacances, hein. C'est pas jardin, rien du tout. Hein. Mais alors je l'ai trouvé, j'ai dit, waouh, elle a l'enjette. Alors la palette de maquillage. Alors j'en ai déjà une. Mais là j'ai kiffé les couleurs. C'est totalement. Là c'est vraiment la palette typique où je vais utiliser quasi toutes les couleurs. Sur l'autre, j'utilise toujours les mêmes. Qui sont dans ces teintes-là d'ailleurs. Mais voilà, ces teintes marron, orangé, etc. Et bah, moi qui adore le nude, forcément, j'ai craqué. Elle était à peine 5 euros. Et je trouve les couleurs, vous allez me dire, mais vraiment canon. Donc je suis contente parce que vous êtes souvent, enfin vous me demandez en plus souvent hein, sur Insta, oui Céline, ton ombre à paupières, tu l'as où? Tu l'as acheté où? Et tout. Et quand je vous dis que ça vient d'Action, vous êtes ah bon? Ah bon? Chez Action? Bah oui, chez Action. Et moi j'en suis super contente, ça tient bien, les couleurs sont belles. Voilà quoi. Moi, là, j'ai dit, allez hop, go, j'en prends une deuxième. Je finis avec un pot de fleurs que j'ai trouvé, mais juste trop canon. Alors, au départ, j'en avais pris deux, puis après, je t'en remettrai. Hein. J'ai dit, Céline, sois un petit peu raisonnable.
c'est dur, mais voilà, j'en ai pris qu'un, il était à peine 5 € et vraiment il est plutôt pas mal et je le trouve super canon. Donc vous allez me dire, non, je pourrais pas faire passer le... si je mets un nénuphar... J'allais dire sinon je vais le mettre dedans, je mets un... Non, un nénuphar et le truc, ça passera pas. Bon, non, faut vraiment que je trouve une jardinière, mais voilà, moi, pour moi, je n'achèterai pas 50 balles la jardinière, c'est mort. C'est mort de chez mort. Bref, j'en ai fini avec ce haul. J'espère vraiment qu'il vous a plu. Là, j'y suis allée ce mois-ci. Hein. Donc c'est terminé, Céline, tu ne mets plus un pied chez Action. Il y a juste un truc que j'aurais peut-être dû prendre, mais... C'était les serviettes, parce que... Donc pour Poupette, j'ai commandé sur Vinted, j'espère que ça va arriver à temps. Un poncho de bain à 3 €, donc vraiment pas cher, mais il vient d'Espagne, donc... à voir. Pour Chouchou, il va prendre le peignoir de sa sœur, donc voilà, c'est bon. Mais pour moi et Greg, j'ai, mais je les ai pas pris, des grandes serviettes, mais vraiment en taille 1,90 m. Je les ai trouvées vraiment canon, super belles. Mais elles étaient à 9 €, donc je me suis dit 18 €. J'en ai déjà eu quand même pour pas mal, hein, je vais pas vous mentir. Entre le haul de la semaine dernière plus celui-ci, voilà quoi, on dépasse les 100 balles. Donc je me suis raisonnée, mais maintenant je me dis j'aurais peut-être dû. Parce qu'elles étaient vraiment sympas. Je vais réfléchir, je vais faire mes valises et je verrai ce que j'ai à la maison avant d'aller les acheter. La fille, elle a changé quand même. Bon allez, je vous fais... plein de bisous et je vous dis à très vite pour une nouvelle vidéo. À bientôt !